Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Sims 1. J'ai bien envie d'avancer un petit peu ma maison depuis le temps. On va aller chez moi. Boing. Parce que bon, on a encore pas mal de travaux à faire si on veut pouvoir la finir un jour. Regarde-moi, il y a plein de pièces qui sont encore vides. Bon, ça avance un petit peu malgré tout, on a déjà le hall. Le grand hall. Hop. Il faudra qu'on fasse toutes les pièces là et tout. Et il nous faut une fortune pour finir cette baraque. Tout est vide. Oh, c'est tragique. Bon. Oh, on n'est plus amis que Framboise. En même temps, elle est insupportable, Framboise. On est avec Jean-Baptiste. Oh là. En même temps, bon, on est au top de nos carrières, donc on s'en fout un petit peu des amitiés maintenant. Ah oui, on est comme ça, nous. Hein. Baron du crime. Non, mais c'est terrible. 18h minuit. C'est chiant, par contre, on se croise pas du tout. On se croise pas du tout. Bon, ok, il fait dodo. Est-ce qu'on s'entend bien encore? Bon, ça va. L'amour est encore au rendez-vous. Allez, cuisine. Et la petite, elle bosse, incroyable. Même sa chambre est pas trop mal, hein. Franchement. Très bien. Boum. Ok. Ok, donc là, le couloir. Le couloir, il est pas mal, là. Après, pourquoi il y a un couloir là aussi? Enfin, une porte là. C'est un peu superfétatoire, j'ai envie de dire. Plutôt la mettre là, d'ailleurs. Ah, mais montre-moi ces portes. C'est bon, elles s'ouvrent du bon côté. Et on va... Alors... Je suis à ça, hein. Je suis vraiment sur les petites économies. Donc je vais retirer le papier peint avant de détruire le mur. Parce que ce mur-là, il sert à rien, quoi. Non, sauf que là, on voit plus qu'il y a un mur ici, mais il existe. Parce que là, c'est cohérent qu'il y a un mur, vu que on est sur vraiment une autre pièce, hein, la grande mezzanine. D'ailleurs, en vrai, il devrait plutôt être après. Si on veut que ce soit plus joli que le reste. Allez. Premier travaux. Hop. Oh, cette musique. Bon sang, qu'est-ce que je l'adore. Oh mon dieu. Alors je vais être un petit peu chiant là. Faut que je retrouve le bon papier peint. Voilà. Ok. Alors, les bons papiers peints d'ailleurs. Pas du tout. Alors attends, on a quoi là? On a des trucs blancs comme ça en carré. Les traits gros, ça devrait être facile. Alors, dans ce cas, c'est que je cherche trois papiers pas en même temps. Du coup, j'ai pas l'esprit, très clair. Là, ça c'est le rose. Ok, ça c'est bon. En voilà un. Le rose c'est bon. Ah, on n'est pas loin là. C'est celui-là.
Oui. Super, il reste plus que les carrés blancs. Tidou-di-da-djou. On va y arriver. Allez, on y croit. On y croit. On voit rien. Ouais, il coûte cher. Ça me paraît bizarre qu'il soit. Ah, il est là. Parfait, les sols. On a un seul sol, c'est facile, c'est le sol en chevron. Non, il y en a un deuxième là. Ah, attends, les chevrons peut-être. Parce que, attends, non, celui-là, le sombre, il coûte très cher. Donc, je sais que. Oh là. Il y a eu un bug. Allez, vas-y, la musique triste. Donc en partant de la fin, c'est plus simple. Chevrons, ils sont là. Ok. Eh ben, il coûte moins cher finalement celui-là. Il coûte moins cher. Il est juste là. Donc on n'a pas trop dépensé. Voilà. Ouais, t'as un petit espace sympa pour ta maison. Boum! Ah, attends. Ouais, non, je laisse là. Ok. Mais. Attends. Mais pourquoi? Oh. Ah bah, la plus tragique de toutes les musiques. Ok, voilà. Bon, je vais pas lui acheter des quoi à 3200 non plus, hein, ça va, c'est une gamine. Petite aquarelle. Voilà, ouais, c'est très bien comme ça. Ton cochon d'Inde. Non, il est trop triste. Non, ça c'est quand même. Non. C'est non. Y a vraiment pas grand-chose en déco hein, dans le premier Sims. C'est trop cher. Bah, t'auras trois aquarelles et c'est bien suffisant. T'es la seule à en avoir, alors commence pas à la ramener, hein. Hop. Ah, mais c'est dégueulasse, ça, c'est vert. Ok, donc là, c'est pas mal. Voilà, là, le couloir est cohérent, une pièce cohérente, très bien. Faudra juste que. Alors, si je veux équilibrer, voilà. On va mettre une deuxième porte. Voilà. Impeccable! On dirait qu'il n'y a pas de porte du coup là, mais c'est juste que c'est. Voilà. Non, pour être une pièce. C'est terrible hein, d'être riche, d'avoir une maison immense et de pas savoir comment la meubler. Il faut que je refasse tout mon jardin d'hiver avec ma petite fontaine, tout ça. Qu'est-ce que tu fais, Lou? Ah, tu vas aux toilettes. Mais il y a des toilettes juste là, hein. Je les ai mis là exprès. Non, elle préfère pisser dans les chiottes de sa fille. Ok. Je vais même te baigner dans ta baignoire, du coup. Fais le tour de la baraque, c'est très bien. À deux doigts de mettre un escalier quand même ici, quoi. Parce que c'est vrai que ça, c'est le. Elle est immense cette baraque. Mais tu sais, un escalier qui tourne là, ça peut être sympa. Ça peut être marrant là. Il coûte combien? Ça coûte cher, je pense. Regarde, on mettrait celui-là.
2499. Non, en vrai, ce serait pas mal. Je vais me décaler la fenêtre du coup. On a même pas toutes les fenêtres déjà. On a même pas encore acheté toutes les fenêtres. Non mais t'imagines, regarde là. Toutes les fenêtres qui manquent. Oh mon dieu. On a même pas acheté toutes les fenêtres. Cette maison sera jamais finie. Bah. T'as pas fini ton pipi du coup. On se lève, on va manger. Très bien. Allez. On va bosser. Allez, allez. C'est bien. Vanana. Eh ben ça y est. On va déjà bosser. Bon, pendant ce temps... Ah, j'avais les costumes, j'ai oublié. Putain, c'est hyper officiel, hein. C'est pas n'importe qui. Faut que je lance SimCity 2000. Tiens, j'ai envie de faire un petit let's play dessus. Oui, parce que j'ai passé de let's play sur ma chaîne, évidemment. Comme vous le savez. Bon, toi, du coup, t'as le temps. Hein. Parce que, alors, lui, désespéré. Distraction, rien du tout. Mais toi, en revanche, 17h, jusque-là. T'as Fanny? Petite toutouille. Le pipi. Oh, c'est bien, il débarrasse. On gagne que 750, hein. C'est horrible. Comment c'était dur de... Mais regarde, on a même pas de haie et tout. Comment je faisais pour... Je devais tellement jouer, mais... Parce que je trichais pas, hein. Enfin, je trichais pas. J'utilisais pas les codes. Et du coup... Qu'est-ce que je devais jouer? C'est terrible. On va regarder la télé. Dans cette grande pièce vide. Pez Jam Blankidou. Il aime pas. C'est quoi qu'il aime lui déjà? L'amour? Non. L'horreur, je crois. Voilà.
Là, ça éclate. Allez, on va accélérer un petit peu. Ok, alors. Hygiène et vie sociale. Bon, hygiène, on va régler ça déjà. Et vie sociale, j'aimerais bien appeler des gens, mais à cette heure-ci, tout le monde bosse. Venana. Bah ouais, c'est ça, marche dans la flotte. Allez. Ah bah oui, on se détend. Bon, sinon il y a le chien. Hein. Bon, elle est crevée. On va pouvoir jouer avec. Bon, on va tester. On va essayer de la réveiller. Allez. Fifina, allez Fifina. Tiens, éteins ça. Tiens, va la caresser un petit peu. Mais après, elle aime pas trop. Hein. Moi, elle me kiffe. Pas du tout. Si, pardon. Moi, elle me kiffe à mort. Kunula. Allez, viens Fanny. Bon, ok, elle veut pas. On va appeler un voisin pour voir. Salut chaton, sporty. Alors, qui ne bosse pas à cette heure-ci? Bah, Sarah. Mais on n'est pas amis, donc... Si, si, on est amis. Elle est amie avec tout le monde, de toute façon, Sarah. Donc, chacun un chapeau. C'est tout? Mais t'as pas envie d'aller aux toilettes là? Non, monter. Non, fais pas monter ton mari. Mais. Mais enfin, j'ai pas d'interaction sur mon mari. Bon, viens ici. D'ailleurs, c'est bon, j'ai pas de. Pas de courrier. Tiens, va acheter ça. Oh, j'y vais là. Ok, là. Clac, clac, clac. Oh, j'y vais là. Non bah du coup, viens ici. Non, viens là. Vous venez là tous les deux. Allez. Voilà, faites-vous des câlins. C'est parce qu'il est pas de super bonne humeur, Lou, quand même. Donc j'ai peur qu'il réagisse moyennement. Ah.
Esclave va répondre. Allez, Cosette. Ah oui, bah les amitiés, monsieur Potier. Oui, bien sûr, monsieur Potier. Oh, mad mother, hey. Distraction. Bah, je joue encore avec le chien. Attaquer Florent ou Lou? Non, mais ça va pas la tête. On peut faire des choses terribles avec ces animaux. Ouais, parce que je veux vraiment finir la haie. Je déteste le fait qu'on puisse. Enfin. Il manque quelque chose. Il me faut une haie. Vous êtes fait des bisous ou pas du coup? J'ai pas vu. On va regarder tes dessins animés, toi. Oh là, mais c'est pas le moment d'appeler. S'il vous plaît. Je suis en plein let's play. Va chercher, bah il est où le chien? Ah, il va chercher très loin. Ah, mais. Viens! Viens jouer! Il y a encore les mouches, les invasions de mouches, ça j'en peux plus aussi. Ah non, désolé. Hein. Les mouches, j'en peux plus. Non, les mouches. Non, les mouches. Ça c'est bon. Ah mais là, systématiquement c'est bon. Oh 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 oh. Faudrait que je mette des portes aussi derrière là. Pour pas de porte. J'en achète une. Voilà. Putain, mais écoute, la peau du cul, ces portes. J'adore que j'ai acheté les fenêtres, les fenêtres de ce côté-ci. Parce que c'est le côté qu'on voit dans le quartier. Donc, comme ça, sur la vue quartier, j'ai mes fenêtres. Oh, purée. Malin, le mec. Mais regarde. Ah oui, non, t'es crevé. Après, avec 600, je peux faire 3 morceaux de mur. La tristesse. Bon, ok, hop, éteins. Va te coucher, t'es mat. Même pas ce que je fais en premier. Le jardin d'hiver. Le petit billard ici. Un bout de piscine. Des statues pour décorer. La haie pour fermer le truc. Oh purée, j'ai tellement de choses à acheter, c'est horrible. On se soulage pas dans la maison, hein, ça va. Où est-ce qu'elle va, la petite? Elle a pas de. Va te coucher. Je sais pas ce que tu fais là. Je sais pas. T'avais pas d'action et tu bougeais pour autant, c'est assez bizarre. Allez, Gisèle. Elle marche vraiment bizarrement. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, je m'en doutais. Bord de boue. Hop là. Mais, vas-y qu'elle râle. Oh là là. Et c'est au bout de la chambre là. Au bout du couloir, pardon. Ah, elle marche vraiment trop bizarre. On dirait une petite vieille. Rien que sa tenue, déjà, on dirait une tenue de petite vieille.
Allez, Gisèle. Non, voilà un qui bosse et qui ramène des thunes au moins. Allez, on peut rentrer. Cette tenue, en revanche. Le Joker, quoi. J'entends des blattes. J'entends des blattes errer. Je les entends. Putain, elles sont où? Purée, je les vois. Les mouches sont revenues. Je vais laisser le move object comme ça au moins. Ouais, ça rapporte un peu de thunes. Bon. Au bout d'un moment, si je décroche pas, hein. Si je raccroche au nez, c'est que vous comprenez, hein. Très bien. Allez. Pchit pchit. Chiante, hein. Alors attends. Hop, j'avais dit les mouches, moi. C'est bon, j'en fais mon affaire. T'as faim, attends. Tu peux rien faire en tant que petite, c'est chiant ça, elle peut rien faire. Oui, caresse le chien, c'est une bonne idée. Papa va faire un petit déjeuner. C'est bizarre cette voix. Téléphone. Cours. Évaporise. Les sous. Avez-vous mesuré votre taux d'énergie aujourd'hui? Prudence. Oh là 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 là. Flo. On va pouvoir se lever, hein. Mais je sais pas pourquoi je bloque sur sa façon de marcher dans cet épisode-ci. Alors j'ai déjà dû l'avoir marché pendant un milliard de fois, mais là je... Toujours autant de mal sur la distraction. S'entend pas avec sa fille.
Ah non, c'est pas l'amour fou, hein. Allez, mon Tiflo, on se lève. Bon, cette façon, cette aile-ci, je vais pas la retoucher. Pour moi, la cuisine est finie. La salle à manger, ça va. Je peux rajouter de la déco ici. Genre un buffet. Des plantes. Mais pour le reste, c'est bon. Combien ça coûte un billard? Autre. C'est dans quoi les billards? Billard. Et là. 4002. Oh là là là. Tout coûte un bras. T'auras pas le temps encore pour la distraction, hein. À peine le temps de te laver. Toi, c'est bon, tu allais pisser dessus à l'école. Super idée. Mais Florent, ça va. Allez. Donc tu m'as mangé au chien. Ici, c'est bon. Elle est où Fanny? Elle est là. Joue un peu avec elle. Qu'elle puisse te kiffer. Salut Lou. C'est bien. Apprends-le au pied. Très bien. Je vais vaporiser pendant ce temps. Hygiène et petits besoins. Alors, petits besoins, hygiène et puis distraction. Hop, vas-y, va perdre un petit peu. Et donc, Fanny va avoir son cinquième point en obéissance. Très bien. Pouvoir faire des petits concours aussi avec elle. Pour ça, il me faudra aussi de quoi entreposer ce qu'on y remportera. Les trophées, tout ça. Ah non, c'est pas vrai qu'il y en a ici aussi. Ah oui, il est parti pour tous les faire. Oh, ça va. Et la femme de ménage, elle peut pas laver ça. Sérieusement.
Je peux rajouter aussi une penderie, quoi. Je peux la mettre là. Alors attends. Mille deux cents. Je ferai une salle de sport aussi. Je bougerai ça. Il me semblait qu'on avait une penderie dans ce mode là en fait. Enfin, avec ce style de mobilier là. Tiens, je t'accélère. Lou est rentré. Toujours pas de facture, très bien. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a un ordre? Ah, Micheline toutouille. Ok, la distraction, ça va pas du tout. Tu vas direct aller regarder ta télé. Ah bah Henri Potier, bon faudra que je rejoue avec les potiers de toute façon. Alors, j'aurais dû dans la structure d'abord donc. Et je veux voir si ça rend bien. Si je la mets là par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je suis un peu. Ouais, j'ai besoin de votre avis là. Je suis. Je sais pas si c'est pas la position aussi. Parce que si je le mets là. Qu'est-ce que j'en pense? Ah, je veux bien. Je veux vraiment votre avis là parce que je suis un peu. Je sais pas. Déjà là. Je préfère là, déjà, ça c'est sûr. Parce que je pense au côté pratique aussi, quand même. Parce que c'est tous les allers-retours qu'ils font. Je sais qu'il y en a juste là, mais bon. Ça évite de passer par là, de remonter. Après, ils peuvent passer par là, monter là, puis continuer. Non, non, ça rend pas mal, en fait, je trouve, quand même. Bon, au pire, je le revendrai, mais je commence à m'habituer. Attends, bon, en revanche, il faut que ce soit utile. Peut-être ajouter de quoi communiquer au niveau du sol. Rien que pour ça, tu vois. Non, mais c'est... Est-ce que je mettrais une porte ici ou pas? Je pense. Peut-être d'ailleurs. Je note le coin. Voilà, comme ça, ici. Plus dessous. Attention parce que la femme de ménage elle est là ou pas? Oui. Alors attends parce que si je peux pas la payer avec tout ça là, elle va péter un plomb. Voilà. Je vois une chaise. J'en reprendrai une. Tu vois, déjà la petite elle est déjà contente. Bon, faut pas qu'elle tombe dans le vide, mais c'est pas grave. Non, ils peuvent pas faire ça, évidemment, dans les Sims.
Elle est propre ou pas cette baignoire là, maintenant? Elle a l'air. T'es pas allé allumer ta télé, toi? Ah si, mais il est pas parti la regarder. J'allume, mais je ne regarde pas. Faut se reposer, la petite Fanny. Et toi, faut que t'ailles bosser là. Arrête, pose tout. Soul. Bah oui, tu saoules là. Fallait louper le boulot. Ok, c'est bon. Bon, toi aussi, la femme de ménage, elle est là pour ça. Voilà, donc. Va regarder la télé. T'es trop quoi? Oui, bah oui, c'est pour ça que je te dis, va voir la télé. Au lieu de marcher dans une assiette de haricots verts. Soyons logiques. Ok, super. Voilà, allez, hop, va te coucher maintenant. 18 sur 20, non mais dis donc. Va étudier. Flo est rentré, alors attends. Flo va aller se coucher. Attends. Il va éteindre et aller se coucher. Et Lou va, comme d'hab, préparer le petit déjeuner. Voilà. Il y a des mouches partout, c'est le bordel. On éteint. Proup. Dis Siri, éteins la télé. Là en fenêtre, on est bon de ce côté, on est bon de ce côté, on est juste pas bon à l'arrière. On va y arriver, hein. Il y a un souci là. Sans être symétrique. Donc pourquoi ça se rejoint pas au milieu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah si ça se rejoint en fait. Oui, bah oui, le milieu est là. Oui, suis-je bête. Voilà, ça va pas du coup. Je sais pas pourquoi je le bouge parce que de toute façon je change rien. Ok. Oh, une Mikado peut-être. 600. J'ai vendu 280 une chaise qui vaut 600. Sérieusement? Non mais c'est terrible. Elle avait quoi la chaise, avec un pied ou quoi?
Bon, les fenêtres, ça avance. Eh ben... Vous me mettez un rire d'enfant là, hein. J'ai un rire de petite fille. Qui va se lever en premier, la petite pour étudier ou... Ah bah c'est moi. Ouais. C'est moi. Pour aller faire à manger. Un peu dessous de la vente. Allez, bouge-toi. N'est pas moral pour étudier. Oh, il va se pisser dessus. Toujours aussi crade cette baignoire. Super, ça fait plaisir. Cette maison, c'est un cauchemar. Des cafards de partout. Alors, mine papillon. Ouais, voilà. Tout de suite. Loup ! Arrête avec ça. Et ben voilà. Oh non, c'est pas vrai. Vraiment deux petits relous, hein, pour être poli. Et bah tu... Non, tu vas pas jouer à la poupée, tu rigoles. Alors, de 1, tu vas te taper les cafards, et de 2, tu vas épargner tout ça. Personne pense à ramasser là avant de mettre la vaisselle en route, évidemment. Donc voilà, on n'aura même pas de quoi s'acheter une chaise. Super. Faut que t'ailles bosser toi mon gros, désolé. Non, on va laisser les autres... Hop, tiens, tu vas nettoyer ça. Vu que la femme de ménage ne veut pas faire son boulot. Mais là aussi elle est crade. Personne nettoie ses baignoires ou quoi là? Tu vas faire toutes les tâches à gratte, loup. Ça c'est pour te punir de pas être allé bosser. Tiens, on va se faire engueuler, évidemment. C'est le patron, de toute façon, donc je cherche même pas, mais bon. Tu te réveilles ou... Bah oui. Toi tu vas perdre des points du coup pour ta moyenne. 16, donc tu peux continuer à étudier. Non mais oh. Tu vas aller bosser hein. Action. Bon, vie sociale. Bon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça qu'on veut. Tu peux pas aller faire des nains, toi, sinon. Il est où mon établi? Quoi? T'as pété l'ordi?
Amitié en danger. Téléphone. Bah ça sonne plus. Ah il a l'établi. Bon après. Ouais. Qu'est-ce que... Elle a frappé le nain. Quel sale gosse. C'est quoi? Voilà, puni. Oh toi pareil. Hein. Hop, allez, zou. Ah bah non. Vous allez me foutre la paix tous les deux? Oh puis j'ai les factures en plus. Allez, chat, cassez-vous là. Ah non mais je vous jure. J'espère que j'aurai encore assez pour me payer une chaise après. Après les impôts. Quoi encore? Le raton. Oh, el bandito. Qui se bagarre avec Fanny. Attends, pose-le là. Ça va, on peut se payer une chaise. Non mais 600 quoi, je rêve. Après elles sont jolies mais quand même. J'ai encore moins de sous qu'avant de partir bosser quoi, merci les taxes. Merci les chaises. Tu peux te baigner et jouer et après t'iras manger. Allez. OK. Bon là ça bosse bien. Bon, cette femme de ménage elle est vraiment terriblement nulle. Hein. Le nombre d'amis qui diminue d'épisode en épisode. On s'en fout des amis maintenant, on a tout. On a tout le réseau qu'il faut. Bim. Ah je veux tester ma nouvelle chaise à 600 balles. Tu m'étonnes. Là on mettra, je sais pas, un petit, tu vois, un petit canapé, tout ça, une petite entrée quoi. Alors, on va essayer de trouver ça, quelque chose qui colle. Alors là je peux pas. Ah non! Ah non! Tout était parfait! Ah bah attends. Bah non.
Ah, ça me saoule. Là, vraiment, j'aime moins. Sinon, j'agrandis la surface. J'agrandis la surface après. Mais je... Ah oui, mais non, si je ramène pas les meubles, ça va faire bizarre. Là, ça me fait vraiment bizarre qu'elle soit à cheval sur les deux trucs. Je vais voir si ça me saoule, je changerai de façon. J'ai 52. Bon, il sera de retour à 15h, de toute façon, la femme de ménage sera encore là. Vraiment, c'est compliqué. Je suis deg là, franchement, pour une affaire de mur. Ouais, t'as peut-être une autre solution quand même. Ce qu'il y a, c'est que j'ai déjà tout construit. Oh, purée. Testons. Pourquoi ça rentre pas là? Voilà, c'est trop collé. Moi je préfère vraiment quand il est comme ça. Ouais, là c'est mieux quoi. Mais je peux pas ne pas mettre de trucs là, c'est pas possible. Mais je peux pas à cause du mur, à cause de l'angle. Non mais là c'est trop collé. Oh, ça va me... Attends. Ah purée. Ah bah, rien n'est parfait hein. Non mais c'est ouf ça. Heureusement qu'ils ont retiré cette... Je crois qu'ils l'ont retiré cette restriction hein. Je sais même pas. C'est hyper dangereux, je peux pas faire ça. Ah, je suis déprimé. Bon, si vous avez un avis. Sinon, ouais, bah j'avance la cuisine. Alors, attends. Oh, en vrai, ça passerait peut-être. Oh, non, en vrai, ça le fait. Bon, j'ai dépensé des sous inutilement là, mais c'est pas grave. Il est où ce très beau carrelage? Les murs en briques. Lesquels? Je vois pas. Non, pas du tout. Bingo. Eh bah super! Mais non, mais en fait ça va très bien. Ça va très bien en fait.
On va le mettre là parce que c'est le plus logique. Non, ça fait vide. Alors attends. Je pourrais mettre un évier en face, là dit. Deux évier, ça peut être bien. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Je suis assez satisfait de la tournure des choses. Ça avance quand même un petit peu. Hein, ça prend forme, on va dire. Ok, bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, puisqu'on arrive du coup à la fin de cet épisode des Sims 1. Comme d'habitude, n'hésitez pas à les liker, partager, commenter et vous abonner. C'est pas ce que je veux dire. N'hésitez pas à aller voir mes autres let's play des Sims 2, 3, 4. Histoire de vie, histoire de je sais pas quoi, de naufragés, les naufragés, My Sims, etc. Enfin bref. Il y a plein de trucs sur ma chaîne. Merci à tous. Merci à toutes. N'hésitez pas à rejoindre aussi si vous voulez pour me soutenir. Il y a des récompenses en lien avec les Sims. Je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre pour les découvrir. A très très vite pour la suite des Sims 1. Merci à tous et à bientôt.